l'homme qui prend l'RER, c'est l'RER qui prend l'homme. Ta ta ta. Bon, l'RER il m'a pris, mais c'était pas aujourd'hui. Cheminots, cheminotes, pour vous dire que comme au vieux temps, je vous soutiens les gars, lâchez pas. C'est extraordinaire les téléphones. Extraordinaire depuis que j'ai un téléphone. Je vais sur Facebook, je poste sur Instagram. Et alors je vous raconte pas. Oh, qu'elles sont jolies les filles de mon Tinder. Zoï, 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 zoï. Bonjour à tous, je suis enchanté de pouvoir vous parler à travers ce répondeur que j'ai délaissé depuis la fin de mon quinquennat. Mais je vous rassure, j'ai gardé une certaine influence, un pouvoir au sein des gouvernements et des médias, de la justice. J'ai d'ailleurs récemment placé quelqu'un de mon entourage au plus proche d'un ancien président sortant que j'ai battu. C'était un coup de cul, mais je l'ai battu quand même. Et j'en vais s'en placer à prendre maintenant aux côtés de Monsieur Sarkozy, en garde à vue. Voilà. J'ai troqué ma navigo pour un compte blablacar. Ok, attends, faut que je laisse un message. On m'a dit, faut que je laisse un message sur le répondeur avec mon pote, avec qui je fais mes messages habituellement. Merci, tu sais faire. Tu viens ici, tu laisses un message. Mec, qui c'est qui est vous, monsieur? Je sais pas faire la voix de Mathieu Madénian, et puis ça se voit que c'est pas Mathieu Madénian. Excusez-moi, monsieur, vous rentrez dans mon téléphone, je ne vous connais pas. Le mec se pointe, et il met sa tête devant ma caméra. C'est un message pour ma propre émission de radio, Thomas. Mais quelle chanson, moi, ton émission de radio? Est-ce que je te connais? Non, si t'es à la radio, c'est que je connais pas ton visage, déjà. Alors tu viens pas pointer ta tête dans mon petit téléphone, hein, parce que moi, comment je vérifie, hein, j'appelle qui? J'appelle la gendarmerie, je leur demande, mec qui fait de la radio, qui a une casquette, et ils savent pas non plus parce qu'ils écoutent la radio, ils la regardent pas. Alors que... Ok, je m'en bats les couilles. On m'a dit de laisser un message sur ce futur répondeur, alors je suis de retour sur VL parce que vous êtes trop cons. Alors j'ai un message simple à vous livrer. Parce que quand tu frappes avec la raquette, ça fait comme un bruit de machette. Pas de méthode. Mais quand tu frappes avec cette raquette, ça fait plutôt le bruit de tapette. Tennis, quand tu fais un match le week-end, t'en parles vraiment toute la semaine. Tennis, alors que quand tu fais un match, t'espères juste que personne t'a vu jouer. Badminton, les Chinois sont trop forts, ils mettent la misère à tout le monde. Ping-pong. En cas, parce que moi, c'est comme ça, hein. C'est depuis tout petit, je prends mes décisions comme un adulte consentant. Consentant très bien des fois avec ma mère, et consentant pas toujours très bien avec ma soeur. Alors bon, ça n'a rien à voir, pourquoi tu veux savoir mes histoires de famille? T'es pas mon psychiatre, hein? Si j'ai besoin d'un psychiatre, eh ben j'appelle un psychiatre. Je me laisse pas un message sur un répondeur de gens que je connais pas, d'accord? Alors t'arrêtes de me juger et tu traces ta route. Tu traces ta route, d'accord? J'ai pas que ça à faire parce qu'il faut que j'aille acheter du pamplemousse.